Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Paroles d'Experts. Face à une concurrence de plus en plus accrue, les entreprises, pour se démarquer les unes des autres, ont besoin de l'innovation. L'innovation agit en tant que moteur de la croissance économique et elle est essentielle pour maintenir la croissance de la productivité nécessaire pour répondre à l'augmentation de la demande mondiale. La Suisse, la Suède, les Pays-Bas, les États-Unis d'Amérique et le Royaume-Uni sont les pays les plus innovants du monde. La France est quant à elle 15e selon l'édition. 2017 de l'indice mondial de l'innovation. Quelle est la place de l'innovation en France dans une stratégie de croissance Quels sont les outils et les méthodes à mettre en place au sein d'une stratégie de croissance Pour nous parler de ce sujet, j'accueille Éric De Bettini, fondateur et dirigeant du cabinet Advancy. Bonjour Éric De Bettini. Bonjour Fanny. Merci beaucoup d'être présent sur ce plateau pour nous parler des stratégies de croissance. Alors, forcément, on va parler plutôt de la France. Euh, et j'aimerais savoir quelles sont les principales difficultés que rencontrent les entreprises françaises dans leur stratégie de croissance. Euh, D'abord, Fanny, merci de nous recevoir ce matin. On est ravis. On met chez Advanced L'innovation au centre de notre propre stratégie. Notre... Et on se l'applique avec fraîcheur, avec vigueur euh, au quotidien. Donc, c'est un sujet qui nous va euh, droit au cœur. Voilà. Euh, pour répondre à votre question. D'abord, je vais, vais peut-être mal répondre en disant qu'il ne faut pas généraliser. Néanmoins, il y a quand même deux ou trois tendances lourdes et on peut en parler ensemble. Chaque cas est un peu différent. Néanmoins, il y a des grandes, des grandes choses que l'on peut, que, que peut retenir. La première, c'est que faire de la stratégie, c'est concilier un peu l'inconciliable. Ça veut dire, euh, à la fois, vous devez répondre à des tendances lourdes, prendre des positions, choisir, renoncer, focaliser. Et à la fois un dirigeant il doit délivrer, c'est-à-dire chaque trimestre il a un coup près, c'est les résultats qui doivent sortir, et euh, ça impose au contraire de ne pas prendre de risques, ça impose d'être euh, plutôt euh, de, de, de répartir un petit peu ce, les choix qu'il fait, euh, voilà. Et donc finalement euh, les sociétés ont cette, cette, cet impératif de concilier ces deux paramètres inconciliables. Comment va l'innovation là-dedans et comment euh, se portent les sociétés françaises elles ont déjà une chance terrible. Euh, sur les deux premiers points, ce n'est pas spécifique. Elles sont confrontées comme les autres à, ce, à cette difficulté. En revanche, elles ont un, un, un vrai atout. Euh, le marché français domestique lui-même, il est, il, il est large, il est grand. Euh, on n'est pas les plus grands du monde, néanmoins, c'est un grand marché. Et donc nos sociétés, elles ont cette chance terrible de pouvoir tester euh, en réalité sur notre territoire euh, avant d'aller euh, s'étendre à l'étranger euh, et avant d'aller conquérir le monde. Et ça, c'est déjà un gros avantage. Et quelle est la place de l'innovation dans une stratégie de croissance, vous en tant qu'expert de ce domaine, vos conseils Notre recommandation d'abord, c'est de reconnaître que l'innovation est toujours indispensable. Il est toujours il est indispensable toujours, de réfléchir différemment aux problèmes qui sont posés. Euh, innover, c'est identifier une opportunité qui est inassouvie, identifier un besoin qui n'est pas servi. Et c'est toujours la bonne manière. Alors, souvent on dit que les vrais leaders ne font pas des choses différentes, les vrais leaders font des choses différemment. Et c'est ce qu'on explique à nos clients. Toute stratégie de croissance, elle est fondée sur une innovation pour dépasser la concurrence, dépasser les attentes de ses clients. Et finalement, c'est se dépasser soi-même. Voilà. Et quelles sont les principales innovations, les principales méthodes que l'on voit aujourd'hui en France dans les stratégies de croissance Oui. Euh, historiquement, tous les dix ans, si vous voulez, on voit une grosse, euh, une grosse évolution, un nouveau paradigme. Mmh. Alors ça a été, euh, je reprends mes notes, euh, euh, c'était la mise en relation quasi gratuite. Lorsqu'on a vu arriver Internet, on a, on a compris qu'on pouvait être en relation les uns avec les autres de manière gratuite. Après, c'était le big data. Mmh. Alors, on s'est dit, bah, voilà, depuis trois ans, cinq ans, on dit le big data, le, ça va tous nous, nous sauver. Euh, Aujourd'hui, c'est l'intelligence artificielle. Qu'est-ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle dans le pricing, dans, dans, dans le quotidien, dans la conduite autonome bon. Pour les sociétés, prenons un peu de recul. C'est toujours innover, ça veut dire mieux écouter, mieux comprendre, mieux entendre les besoins inassouvis, mieux comprendre ce qu'il est possible de faire. Et ça, c'est vieux comme le monde. Euh, à nouveau, il faut le faire mieux que les autres, plus vite que les autres, plus fort que les autres. Euh, et pour ça, il n'y a pas beaucoup de solutions. Il faut écouter. Écoutez ce que vos clients veulent, écoutez ce que vos concurrents font, écoutez ce que d'autres secteurs font, écoutez vos propres talents, mmh. vos talents internes. Eh J'aime oui. beaucoup la formule, vos talents ont du talent. Euh, talent. Et ça, euh, vos talents ont du talent, écoutez-les. D'accord, voilà. très bien. On écoutera les talents. Alors, c'est le, me le message qui passe aujourd'hui. Alors, dans l'optique d'un développement, les entreprises, euh, elles peuvent faire plusieurs choix stratégiques. Je les cite une hein, stratégie de croissance, de retournement ou encore de portefeuille. Pouvez-vous nous expliquer ces différentes stratégies et leur importance euh, au sein des entreprises lorsqu'elles souhaitent mettre en place euh, une stratégie de développement On segmente souvent les stratégies. Euh par type, et en fait, elles sont plutôt utilisables suivant les moments pour une entreprise. Stratégie de croissance, stratégie de retournement, une stratégie de croissance, ça recouvre de la conquête d'un nouveau marché, d'un nouveau territoire, de nouveaux clients, d'une nouvelle offre. Euh, quand une stratégie de retournement, elle va être mise en œuvre quand la société va pas bien, ou d'une manière encore plus intelligente, lorsque, la, lorsque, le, dir, lorsque le dirigeant anticipe que la société va passer par des mauvais moments, euh, que le, le marché se retourne ou que des changements apparaissent. Et donc le retournement, il faut le prévoir, il faut l'anticiper. Et c'est là qu'il est le plus efficace. Enfin, on parle de stratégie de portefeuille. Euh, les stratégies de portefeuille, c'est finalement, euh, indépendamment du fait que je peux transformer chaque élément de ma société, je vais réfléchir à est-ce que j'ai les bons éléments, est-ce que j'ai les bonnes briques. Euh, si je vends des cosmétiques, je vais être présent sur le marché bio. Est-ce que je passe 3 ans ou 5 ans à le développer tout seul ou est-ce que j'achète une, une marque coréenne qui est déjà sur ce, sur ce domaine. Ça, c'est la stratégie de portefeuille où vous ajoutez, mais de même, vous pouvez retirer des branches qui ne sont pas les bonnes ou qui ne seront plus stratégiques pour vous. Voilà. Alors, au sein de Advancy, vous êtes un cabinet de conseil en stratégie. Vous accompagnez donc vos clients dans leur choix stratégiques. Qu'est-ce que vous leur proposez concrètement Qu'est-ce qui vous différencie de la concurrence sur ce marché euh, depuis la création d'Advancy en 1999, on était deux, créer un cabinet de conseil en stratégie en Europe de l'Ouest en 1999. Qu'est-ce qu'on apporte de différent euh, Le conseil existait depuis une centaine d'années. Euh, nous voulons et nous avons dès le départ fait le choix d'apporter une réponse par secteur très profonde, euh, répondre aux problématiques de nos dirigeants, euh, à leurs besoins stratégiques. On a développé des méthodes, on a rassemblé des compétences, on a recruté des talents, on les a formés. À l'époque, c'était assez innovant de cette focalisation secteur. Euh, Aujourd'hui, ça, ça commence à être un petit peu copié en toute objectivité. Euh, néanmoins, ça reste tout à fait unique, et c'est vraiment notre, notre différenciateur. Donc, on a trois secteurs une partie de l'industrie, je ne vais pas vous dire toute l'industrie, une partie seulement. On va à chimie, matériaux, mobilité, euh, mobilité future. Euh, là, il se passe beaucoup de choses, mais la, mais la chimie aussi. Il y a de la chimie partout. On se rend assez peu compte, mais il y a de la chimie partout. Euh, produits de grande consommation, distribution, luxe. Et puis tout ce qui est loisirs, euh, mon, ma petite marotte, mon petit secteur favori, les jeux, le, le transport, euh, euh, le tourisme, oui. on fait beaucoup de choses dedans. Voilà. Et quelles sont vos spécificités Pour répondre dans ces secteurs, notre, notre spécificité, en fait, c'est un blend euh, auquel je suis personnellement très, très attaché et que j'ai écrit à l'époque en, en, en 99. Et on essaie toujours, toujours de le raffiner, de l'améliorer. Ce blend, c'est un contact client, c'est de l'analyse. C'est aussi une, une participation, euh, je dirais, farouche, euh, obsessionnelle de, euh, de mes partenaires et de moi-même sur les missions. On limite de manière très très stricte le nombre de missions par partenaire pour s'assurer tout simplement qu'il passe du temps. Euh, voilà. Et puis, on va le dire doucement, qu'il apprend et qu'il reste lui-même au courant des évolutions en participant. Et c'est ça qui, quelque part, est fondamental euh, après ces presque 20 ans. Et quelles sont les principales attentes Vous parlez des missions. Les principales attentes de vos clients Est-ce que vous avez d'ailleurs un profil type de clients, de mission que, que vous faites au sein de votre cabinet Sur les attentes de nos clients, les clients nous appellent quand ils ont besoin de nous. Nous sommes des gens très chers, on le sait, on ne cherche pas à être moins cher, euh, c'est comme ça. Donc nous <laughs> sommes appelés quand l'incertitude est forte euh, et quand les enjeux sont importants. Mmh. Et ça c'est vraiment notre focalisation, incertitude forte, enjeux important. On a besoin d'un coup de projecteur, on a besoin de prendre une décision informée, on a besoin de mieux comprendre, on a besoin. Et puis une fois que cette décision est prise, on a besoin de l'appliquer avec vigueur. Vous actez sur des euh, grandes décisions stratégiques. Avanci va être présent pour cela. Oui, ça c'est vraiment les attentes et la manière que l'on a de les servir. Hein mmh. En termes de profil. Euh, on va travailler euh, de manière assez équilibrée entre des blue chips et puis des compagnies plus petites, euh, des compagnies qui sont en train d'atteindre un, un milliard d'euros, qui veulent ou euh, les Champions to Be, euh, des, les, ce, que, ce que nos Allemands appellent euh, Mittelstand ou Champions to Be, ou euh, uh, Hidden Champions. Voilà. Euh, on recherche ces gens-là, on les aide à faire la différence. Euh, voilà, C'est notre métier de tous les jours. Et comme vous voyez, c'est un métier qu'on aime toujours beaucoup. Et quels sont vos projets de développement J'imagine que vous en avez beaucoup. Ah oui, tellement, nous nous faisons plaisir, vous, vous vous en êtes rendu compte. Euh, nous avons un grand nombre de projets, plus de talents, plus de compétences, plus de, plus de pays à ouvrir. Euh, moi, j'ai toujours avec moi mon plan Réussir à 2020 oui. euh, et je le suis avec, avec fraîcheur. Eh bien, on vous suivra en tout cas, nous aussi. Merci beaucoup d'avoir été présent sur ce plateau. Merci Fanny. Et merci à vous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous très prochainement pour un nouveau numéro de Parole d'experts.